Salut. Salut Tetralog, salut Ziska, salut, comment ça va? Merci encore pour ton follow d'hier pendant le raid, c'était super cool. Bon matin Raphaël, pardon, excusez-moi, je bouge mon micro. En fait, j'ai préparé un stream guitare tout à l'heure. Vous la voyez, elle est juste là. Je pourrais même faire un stream basse. Et j'ai décalé tout mon truc de son et tout ça, c'était une galère. Et là, je viens de courir dans les escaliers, comme d'habitude, pour aller me chercher mon café. Mon café au nom de l'émission de radio. Pour ceux qui le savent pas et qui sont là, on anime une émission de radio tous les dimanches matin de 10h à 11h. On parle de YouTube, de Twitch. Et on la stream. N'hésitez pas à venir. Comment ça va tout le monde? Nouveau follow Papyrus. Ah, j'avais pas vu celui-là. Merci beaucoup. Hey, Xoki, j'avais pas vu. Excuse-moi. Ton message est tout en haut. Le café. Mais évidemment, le café. Évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait sans café? Hop. Alors, on va continuer ce qu'on a commencé à faire hier, sachant que, petit changement, j'ai pu réinstaller mes shaders. Donc là, vous voyez comme c'est magnifique. Je suis en train de voir si le son, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. J'allais remettre de la musique. Je crois que la nuit va tomber, là. Non, le jour se lève. On va aller voir vite fait ce que je dois dégager, là, dans le truc. J'avais dit expressément de ne rien modifier. Et évidemment, qu'est-ce que les gens ont fait? Bah, ils ont modifié. Du coup, il va falloir que je bouge 3 trucs. J'ai rien touché depuis hier. Attendez, il y a un truc qui va pas, là. Ça, c'est moi. J'ai mal mis... Ça, ah oui, c'est en mettant le truc derrière. Ah oui, d'accord, ok. Ah zut. Ah, est-ce que je peux faire autrement? Ah, vous voyez le problème que j'ai? Je vais mettre de la musique. Je sais pas si je peux mettre correctement mon espèce de banc. Hop, le fait. Hop. La petite musique. Nickel, et puis on est parti là jusqu'à 11h30, puis je reprends à 14h, jusqu'à 17h hein, les streams. On se fait une grosse journée, bien motivé. Salut Edoudoir! Alors est-ce que je prononce bien ton pseudo? Edoudoir, ouais exactement. J'ai toujours des doutes. Alors j'ai 2-3 trucs à faire. Bon, on va commencer par le début, j'ai plus de place sur moi. Voilà, bon tant pis pour ça. On va mettre un coffre, de toute façon je vous ai dit hier qu'on allait... Ah, fait chier. Qu'on allait mettre des coffres et tout ça. Donc j'ai tout ce que j'ai utilisé... Non, peu importe. Alors... Nickel. Et du coup, ce qui fait que je vais devoir dégager ce truc. Salut Tony! Comment ça va? Et enlever ça. Parce que je sais déjà ce que je veux faire en fait. Mais du coup, c'est la première fois que j'ai du nésorite, c'est ça? Ouais. Nickel, il faut que j'enlève ça. Bon, après, je suppose qu'ils l'ont mis là en se disant, au pire, il le dégage et puis il le mettra ailleurs. Et j'ai vu qu'ils en avaient mis en dessous, et regardez là-bas. Ils ont mis ça aussi, donc je vais faire le ménage. Parce que ça ne me plaît pas du tout, du tout. J'ai enlevé ça, je vais être emmerdé avec cette table. Et je vais peut-être la mettre autrement. Le problème, c'est que je suis quasi obligé de la mettre... sur les bords. Ou de ne pas utiliser ça. Est-ce que vous avez un autre système pour faire un petit banc autre que les stairs? Au boulot, donc je risque de couper. Il n'y a aucun souci, mon Tony. Est-ce que vous avez un autre système? Parce que je vous montre. Le souci, c'est que je voulais mettre la table ici. Ou même si je la mets là et que je fais ça. Enfin, vous voyez, peu importe. Ça bouge ce bloc ici, là. Et je ne sais pas comment faire. Donc, est-ce que vous connaissez, vous, un autre moyen de faire des bancs pas trop mal? Non, Raphaël, surtout pas. Je peux le répéter des milliards de fois, mais j'ai envie d'être tranquille. Une table d'angle, ça marche aussi, mais le problème, c'est que je serais obligé de mettre, genre, mes bancs comme ça, tu vois, plus ou moins. Enfin, là je les ai mal mis, on n'a pas réfléchi. Mais ce qui revient au même que ça, en fait. Une dalle avec un panneau. Ah oui. Je vais pouvoir reposer ma table, ma petite nappe dessus. Voilà, et est-ce que j'ai des dalles? Bon, j'ai ça, on va voir si ça marche. Avec un panneau derrière, d'accord. Salut Ashtazar, c'est plaisir de te voir là. C'était un mini prank, le bloc de Nether. On l'a repris, on l'a caché ici. Ouais, t'inquiète, je me doute, hein, Raph. Mais oublie pas que quand je suis en live et tout ça, je crois que l'escalier de l'extérieur doit être placé contre le mur... Et pas sur le sol, et ça évite ça.
T'inquiète. Donc vous mettriez le... Derrière, on va essayer comment... Je suis désolé, hein, mais il y a des trucs comme ça. On va faire quoi? C'est comme ça. C'est pas le bon bois. C'est pas beau avec ça. On va prendre un bois plus foncé. Ça. Non, trop clair. Ça. Alors bah du coup, ça marche pas puisque ça fait des carreaux, là. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ah oui, bah ça peut aller, en fait. Hein. On va le mettre. Là, c'est un peu de déco pour commencer. Évidemment, il faut le mettre du bon côté. Sinon, essayez de replacer l'escalier. Extérieur après avoir placé l'escalier qui va faire ta chaise. On va mettre ça. Hop, je fais ça pour le placer correctement. Voilà. Et du coup, je décale ça, mais j'ai essayé tout à l'heure. Juste avant que tu arrives, je pense. D'accord. Et l'escalier, c'est ça. Donc là, ça marche pas. Si je le mets contre le mur, ça marche pas. Ça fait ça systématiquement. Et même quand je mets au sol, ça marche pas. Ça met obligatoirement la suite de ça. Mais sinon, le truc de la dalle, c'est pas trop mal. Hein. Je pense que je vais... Je suis bigleux, quoi. Ah, c'est pas les bonnes... On va prendre ça. Un bois plus clair. Comment on peut faire? Ça, c'est dans le mauvais sens. Il faut que j'aille de l'autre côté. Et on va aller là. Non, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Le conseil de Tony, là, avec la dalle et la plaque. Non, c'est sympa. Je vais garder ce principe-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On a nos petites chaises. Et si, même des barrières à la place de l'escalier. Bah écoute, Edouard, là, je pense que j'ai trouvé le truc. Là, maintenant, je peux remettre. Je peux remettre ça. Voilà. Il y a une petite île abandonnée là-bas. Je pense qu'on va aller y faire un truc au bout d'un moment. C'est cool. Qui se déforme. Non, mais je vois. Là, c'est sympa. On va retourner là-bas. Je vais faire le ménage. Là, ici, je vais mettre des barrières en dessous. Je vais mettre des dalles et des barrières. Pour que ça fasse un peu flotteur, vous voyez. Là, j'ai enlevé tout ce qu'ils m'ont mis, les zigotos. Bon, après, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai du diamant. Sachant que j'ai pu... Voilà mon stuff. Ah, zut. Ouais, j'appuie sur le raccourci pour changer. Donc on va récupérer le diamant, l'or, netherite. Je suis pas encore allé farmer le netherite. Ah oui, le truc de netherite était ici en milieu, ils l'ont bougé. C'est un serveur privé. C'est un serveur pour les gens qui viennent sur les lives et avec qui j'ai envie de jouer. Pourquoi donc? T'as envie de venir? En gros, c'est juste un serveur où on va jouer. Il y a plusieurs streamers qui vont s'y mettre aussi là-dessus. Tony, qui va commencer à streamer. Tamir, qui était là hier, qui va streamer dessus aussi. C'était quoi, ça? Ok. J'ai pas de dirt sur moi, ça tombe bien. Voilà. Ni vu ni connu. Et le but, c'est que chacun parte un petit peu de son côté. C'est pas beau, ça? Et fasse sa petite maison, son village, son petit spawn à lui, et puis tout le monde est relié par le nether. Je peux vous montrer un petit peu le nether. Et j'ai un bateau là. Non, je vais prendre un bateau. Ce sera plus simple. Salut Alps! Comment tu vas? Ça va, là on est en train d'apprendre à build des trucs dans les détails. On est en train de faire les intérieurs. Ça avait été bien de te voir en live juste avant une grosse interro. Là, c'est moche, mais on essaie de faire des trucs, tu vois. On a déjà fait une table et des chaises. C'est un début. Écoute, faut bien commencer quelque part. J'ai mon bateau, ouais. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le nether. J'ai commencé mon chemin. Hop, j'ai mon bateau, ouais. De toute façon, j'ai même pas mis de la glace partout, au début. Quel enfer, l'intérieur.
Je fais sous-traiter. Mais je comprends tellement. En vrai, c'est, y a, tu peux faire des trucs tellement bien en utilisant bien les tapis, les tables, les chaises, les tables d'enchantement. Mon jeu a crash. Ok. Crash. Bah, je relance, hein, ça va faire ramer le live de lancer Minecraft, c'est très bien. Mais avec, avec des bibliothèques, des faire des trucs bien. Ça rip. Ouais, là je suis en 3 FPS, c'est tout à fait logique. Voilà. Bon, à passer dans le Nether, ça fait crash le stream. Hier, je pouvais même pas rejoindre le serveur, il fallait que. Je savais pas pourquoi et j'ai dû désinstaller Optifine. T'as un Discord? Ouais. Salut Cage! On a des petits soucis là. Attendez, parce que là, même là, le live, je le vois plus. Attendez, tant que ça se connecte, je vais vous montrer ma tête en grand. Ça ira. Ce sera mieux. Eh ben, ça a encore crash. Bah écoutez, j'ai joué à Optifine. Hein. C'est Optifine qui fait chier. Comme par hasard, je l'installe le matin et ça crash. Pourquoi le lancement fait lag? Souci de PC? Non, non, j'ai pas de souci de PC, normalement. Non, non, c'est un bon PC, de RAM, de mer, pro gaming, machin, enfin, tu vois, enfin c'est bien. Mais je sais pas pourquoi, je crois que c'est Optifine. Hier, c'était pareil. Et j'ai désinstallé Optifine, plus aucun problème. Le rejoindre. Là, tu vois, je vais dégager de là. Je vais attendre 2 secondes pour être sûr de voir que le live soit bon. Désolé hein, pour le lag, tout ça, je n'y peux rien. Est-ce que c'est bon pour vous? Dans le Nether, j'ai fait une descente pour une forteresse dans notre artère comme pour aller chez moi. Ouais, il faudrait que je vois. Alors, chez moi, le live ne fonctionne pas du tout même. Est-ce que vous me voyez bien? Me voyez-vous? Normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Allô, allô? Allô, allô? Mais alors? C'est bon? J'ai l'impression que ça rame de ouf. Non, c'est bon. Ok. Ça va et toi, Tamir? Hop, donc là, je vous montre un petit peu. J'ai pas fait le début de mon chemin. Donc, on va commencer à l'entrée là-bas. Good là, ok, merci Alps. Hop. Donc là, j'ai essayé de personnaliser mon chemin comme ça. Bon, effectivement, sans les shaders, ça rend pas ouf ouf. Hein. Et puis évidemment, j'ai mis mes trucs en plein milieu du chemin. Avec les shaders, je vous promets que ça rend bien. Et donc là, c'est le chemin commun, je vous montre un petit peu. Il y a 4 artères, nord, sud, ouest, est. Et chacun est relié, hein. Classique. Oui, ok, mais il doit y avoir un gros décalage. Moi, j'ai un gros décalage avec vous. Hop, ça c'est le Nether, l'End. Et là, je vais regarder ce que me dit Tony. Hop. Nickel. Alors, j'aime beaucoup ce que vous avez fait là, de péter le toit du Nether. Ça fait la petite neige qui tombe et tout ça ici, c'est bien. Donc Tony a dit qu'il avait fait un chemin. Là, je vais faire gaffe de pas me faire péter le fion par des trucs. Je regarde un petit peu. Putain, c'est trop cool. Hein. On peut facilement se casser la gueule. On mettrait pas des fenêtres. Du verre. Et puis on peut aller sur le toit. Là, il y a un chemin. Mets des boutons en bois. Ouais, je le ferai. Je le ferai. Hop. Bon bah nickel, voilà. Je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Ouais, il manque Metaloman sur ce chemin. Il a dit qu'il avait mis son nom. Voilà, donc là, j'ai mon chemin à finir. J'ai un moulin que j'ai commencé. Il faut que je termine la décoration intérieure de ma maison sur l'eau. Il faut que je fasse ma pièce principale avec ma salle des coffres en dessous.
Putain. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais... Ok. Allez, on va reprendre le bateau. C'est de l'autre côté. Ah, j'irai voir après. On est en train de le faire. Faut juste que la ferme à or produise beaucoup. Le chemin est après toi. Il est entre toi et Tony. D'accord. Bah, j'y retournerai après. Pas de soucis. Ouais, on mettra sur une protection. Ouais, ce sera mieux parce que si on tombe... ce serait con. Donc là, voilà. J'ai beaucoup à faire. Je vais m'équiper. Maintenant que j'ai beaucoup de diamants. Et un bloc de netherite, on peut essayer de faire des trucs. J'ai jamais farm la netherite moi-même. Ouais, est-ce que ça va crash là? Non, je crash pas habituellement. Tu vois, là, ça va. Mais ça faisait pas ça avant hier. Ouais, même là, ça charge pas beaucoup. Donc d'accord, ça charge pas des masses, mais hier, ça faisait pas ça par contre. Hein. J'avais aucun souci. Allez, on va se faire des équipements. De ton shaders avec Nether End, ouais, c'est possible. Mais je l'utilisais avant, donc je comprends pas. C'est du jour au lendemain, ça a plus été. Qu'est-ce que j'ai comme équipement, là? Oh, j'ai un peu de tout, en fait. Et j'ai quoi sur moi? On va juste se refaire un petit pantalon. Oh, il est là, c'est juste que je l'avais enlevé. Et puis je vais remettre ça. Voilà, au moins on est en or. En diamant. Hop. Je peux ranger ça. Pas ça, ça. Non, les flèches, c'est à côté. J'essaie de trier un petit peu parce que sinon c'est vite le bordel. Alors ici, le diamant. Ici, bon, j'en ai pas mal. Netherite, j'ai pas de coffre. Donc je vais le foutre ici hein, en attendant. Non, en fait, il était vanilla pur, mais les autres dans le chat pourront te répondre. Mais il y a un modo qui a... Un dev qui a fait 2-3 modifications, et honnêtement, je sais pas trop ce qu'il a fait. Comme c'est pas mon domaine, moi je joue, tu vois, c'est tout. Donc si quelqu'un a une information, là, dans les joueurs du serveur et qui sont sur le chat, n'hésitez pas à répondre. Ou alors s'il y a une touche pour que tu le vois. On peut pas rester parmi nous. Entraînement ce matin, bon courage. Il faudra que tu me donnes des nouvelles d'ailleurs, Cage, d'où tourner. Bonne journée à toi. Est-ce qu'il y a une possibilité que je rejoigne le serve? Il y a effectivement une possibilité. Il y a sur mon Discord toutes les règles. Attendez, hop. On va renverser ça. Vaillant statue. Ils veulent me faire en statue. Donc ouais, je vous avais dit, il faut que je fisse le moulin là-bas, cette pièce-là. Que je répare cette maison que j'avais commencé, qui était pas terrible hein, de toute façon. Explosée par un creeper. Il me faut aussi mon élevage de chevaux, que j'en rajoute. Et là, du coup, on va voir ce qu'on peut faire en décoration. Là, j'ai besoin de vous. Ah bah voilà, t'as la réponse de la part de Tony. Et de Raphaël. Alors, pour décorer la maison, on peut mettre des bibliothèques. Là, ça va vraiment être mon gros point faible. J'aimerais bien faire un truc. Je vais faire des allers-retours. Je vais essayer de prévoir avant tout ce qu'il faut. Parce que là, je vais tourner en rond. Tout ça pour ça. On va retourner dans la salle des coffres. Et je vais faire des barrières en métal. Pour faire descendre la lumière du plafond. Ça, c'est ce que je voulais. Salut mon lézard rouge, comment ça va? On est encore en mode décoration d'intérieur. Il faut du fer, hein, c'est ça? Il est là le fer. Il y en a plein ici. Ok. Il faudrait voir pour passer sous fabrique. On est comme ça sur Holycube, aucun souci par rapport au vanilla. Il faudrait que j'en parle au développeur, tiens, ouais. Merci pour le tuyau, c'est cool. Voilà, il me faut ça. Il faudrait que j'aille voir les dernières vidéos d'Holycube, tiens, d'ailleurs. Enenko. Pénard, bientôt le week-end. Cool. T'es prêt pour l'émission de radio de dimanche? Mais ça modifie pas la ressorte. Quoi, au passage de la 1.1.
16.3, on a eu des soucis avant de rendre compte qu'on n'était pas sous Fabric. C'était giga propre. Donc il faut passer en 1.16.3 et Fabric. Ok. Bah écoute, je vais garder tes précieux conseils. Et j'ai passé ça au développeur. Tiens, j'ai ça. Ok. Je suis en train de voir si j'avais pas des... Attends, pour ranger. Des bibliothèques. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes bibliothèques? Je vais garder ma pelle. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Tout ce qui est livre et tout ça. Je les ai bien mis quelque part. Peut-être en haut. Ou alors j'en ai pas du tout. Et ce serait triste. T'as cette liste, cool. N'hésite pas à me l'envoyer, comme ça on prépare en avance. Là. Je peux dégager la décoration de cette maison-là. J'avais fait un petit truc. Petit tapis, petit coffre, du blé. En haut aussi, je crois que j'avais fait quelque chose. Ouais, vite fait. Ah, ici. On peut les prendre. Allez, on va prendre ça, comme ça on finit une maison. Bon, en cassant une autre, mais tant pis. Ouais, confinement le week-end. On verra bien, écoute, pour l'instant. Là, j'ai rien. Ah, j'ai des tapis jaunes. On prend. Et ici, j'en avais déjà. C'est pas grave. Là, c'est pour le nether. J'ai rien d'intéressant. Non. Cet après-midi, je termine le trou. Attends, tu veux faire une tour de la couche 0 à la couche 255. C'est bien ça? J'ai bien retenu? Toi qui as déjà fait une pyramide avec 15 000 blocs d'obsidienne. T'es beaucoup trop motivé, c'est fou. Là, ici, déjà une bibliothèque. Bon, écoutez, on va faire avec. Il y a une mini-freeze de MG Serve parce qu'il y a des mini-bugs qui empêchent les trucs précis, genre Bedrock Breaker. Ça améliorera le TPS à coup sûr, donc ça réglera sûrement ce genre de problème. Ok, bah écoute, merci du conseil. Ça va être trop bas, j'ai enlevé un. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai foutu de mes lumières? On les voit pas, hein, je les ai pas, on est d'accord. Sachant que j'ai tout mis dans ce coffre-là. Non mais est-ce que j'aurais été assez con pour les mettre dans ma salle des coffres? Je pense que vous en avez mis sous ma maison, là. Je vais voir. Autour de ma maison, je crois que j'en ai vu un. Là. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah là là, zut. Bon, j'ai pas la lumière, c'est pas grave. Ensuite, les bibliothèques. Ah oui, il faut un lit. Pour un lit, je pensais pas au lit. Est-ce que j'ai de la laine? Mais on peut tout à fait faire un lit, c'est trop bien. Voilà. Bon, un lit blanc, classique. Mais c'est pas bien grave. On va dégager la table de craft. Et ça, où est-ce qu'on peut la mettre? On peut mettre le lit... Pas comme ça. On va essayer de faire un truc propre, hein, je vous préviens. Et... Là, il faudrait une petite table de chevet avec une petite fleur. Des gros bisous. Des gros bisous à Shnazar, merci d'être passé. Mipoto ne doit pas faire le fanboy, ne doit pas faire... Mais Al, c'était pas sur... T'es pas sur Bully Cube aussi? Alps de Bully Cube. Ah, après, il faut comprendre, hein, Holy Cube, c'est quand même pas grand-chose. Waouh, wow, c'est quand même pas rien, c'est ce que je veux dire. C'est beaucoup, c'est pas rien. Donc forcément, les gens qui suivent Minecraft, ils voient un joueur d'Holy Cube. C'est logique, ils réagissent. Je vais enlever ça, je vais remettre le coffre. Ça dégage. En fait, je vais mettre le coffre ici. Comme ça, je peux faire l'intérieur de la maison. Ah, du coup, on s'est déjà retrouvé sur Bully Cube. Voilà. Nickel. Alors, vraiment, c'est une galère. Hein. C'est une galère
pour savoir quoi faire. Bon allez, je vais dormir ici. J'ai dit la même chose. Ouais. Followers depuis un an. Ah ouais? Bah bon, sûrement de l'époque Bully Cube du coup. Je me rappelle plus quand exactement, mais... De l'époque Bully Cube comme si c'était révolu. En vrai, je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire. On peut mettre des tapis ici. On va essayer des trucs. Hein, écoutez. Gros clo-clo à toi. Gros soutien pour cette chaîne qui mérite grave d'exister. Je t'adore, poteau. Merci, merci beaucoup, mon lézard rouge. Merci beaucoup. Merci. Pour tes 6 balles 90. Merci beaucoup. Je voulais mettre des tapis. Et puis mettre une décoration ici, mais c'est pas terrible. Ça le fait toujours flipper, ouais. Ah bah écoutez, je pense que je vais travailler sur autre chose. Hein, et puis, tant que je suis pas inspiré, de toute façon. Mais la maison, là, vous en pensez quoi? Attendez, ça dégage. La maison, vous en pensez quoi? Comme ça. On va mettre la lumière à l'intérieur. Et au moins, ce sera fait. Vous avez remarqué que j'ai abandonné déjà. Mais c'est fou, quand on n'a pas d'idée, on tourne en rond, on fait rien d'autre et... Et ça m'énerve de pas me voir avancer. Ça sert à rien, c'est de la déco. Faudrait que je refasse toute la déco de la... du village. Et ça, c'est vraiment moche. Salutations, Zach. Ah, et merci pour le follow, merci beaucoup. Comment ça va? Ouais, il me fallait de quoi faire des lumières. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je dois avoir. Pas ici. Pas ici. Là, j'ai pas. J'aimerais bien ramener un chien aussi là-bas. Non, j'ai pas trop. Je réfléchis comment... Je sais plus trop comment on fait en fait. Pour refaire une lumière, vous savez les lanternes là. C'est pas... Ah ok, ça roule, ça roule. Bah sois le bienvenu. Bah sois le bienvenu, va faire un tour sur les serveurs et trouve l'inspiration petit à petit. Ouais ouais, c'est ce que je vais faire. Mais j'avais fait des trucs bien sur mon ancien, sur l'ancien serveur. Mais j'ai plus trop en tête. T'as des chats chez toi. Genre ici c'est cool. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je sais même plus comment on fait ça. Oh, le noob. T'es censé travailler. En fait, ça peut être bien à côté du lit. Des gros bisous, Alz. Merci infiniment d'être passé. Merci, bonne journée à toi. Tu fais un site pour vendre de la bière. Là, ici, en fait, j'aime bien la déco de cette maison, mais c'est une maison un peu plus paysanne. Là, c'est une maison un peu plus pêcheur. Donc, c'est pas terrible. Là, ici, j'ai même pas fait de déco. On peut mettre des cadres. J'ai gaffe parce qu'il y a tout le temps des squelettes ou des creepers qui spawnent là-haut. Là, ici, c'est plutôt pas mal. Ah, j'aurais pu mettre un tapis. Là, il y a trop de bibliothèques, je vais en prendre une. J'ai cassé ça. Pas besoin d'en avoir autant. Le coffre ici qui ne sert à rien. Mais il n'y a rien d'important. Une torche entourée d'une nugget d'iron. Ouais, c'est ça. Merci. J'ai fait une petite pause Minecraft là pendant quelques mois et ça m'a pas aidé. Surtout que ça fait 1 an et demi que je joue et j'arrête de jouer. J'ai perdu beaucoup de trucs, surtout que j'en faisais pas mal ici. On va refaire. Moi j'ai ce qu'il faut de toute façon. Alors, il faut que je me rappelle, comme ça. Voilà. Merci. Ça change de manche, bordel. Non, manger, ça va. Manger, ça va, il n'y a pas de souci. J'y pense. Attends, les torches, elles sont là aussi.
Voilà. On fait des lanternes. Des lanternes, ça rendra bien. Des tonneaux aussi. Ah bah, dis-toi que je voulais pas mettre de tonneaux. Mais effectivement, ça peut être pas mal. Je vais en faire... voilà, j'en ai fait deux, ce sera bien. On va tester ça. Ouais, ce sera pas mal. On va tester, voir ce que ça donne. Je reviens dès que je peux, à plus. Ok, ça roule. À tout à l'heure. Tu me diras où t'en es sur le serve. Hop, ça se dégage. Tous les petits trucs qu'ils ont rajoutés hier. Ok, y'en a plus. Non, on est bon. Le ponton, on va le refaire, hein, là, c'est juste le temps d'arriver. Voilà, alors ça, c'est ce que je voulais. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce que je voulais. Ensuite, je vais peut-être le bouger, hein, celui que je viens de mettre. Les barils, ce serait peut-être plus à l'extérieur, non? Quoique. Là, non, marqué que j'avais pas encore la tête de vaille sur... Non, mais c'est pas grave, Raphaël. Là, qui veut déjà me couper la tête. Comme ça. Non, le deuxième, il est pas bien. Donc là, c'est bon, je mettrai un peu de poisson dedans. Bah, on va l'en chercher tout de suite, au moins ce sera fait. Voilà. Est-ce que je peux... Voilà. On va en mettre 2-3. Hein. Ce sera suffisant, mais au moins ce sera RP. Voilà. Mais laissez-vous tuer. C'est quoi cette manie de pas se laisser mourir? Voilà. Donc n'hésitez pas à donner des conseils, hein, si vous voyez des trucs à améliorer, à changer, si vous avez des idées. Là vraiment je suis en mode décoration d'intérieur. Je suis preneur. Voilà. Ah, ce sera très bien. Parce que là c'est vraiment pas terrible. Pourquoi mon portail n'est plus rattaché à chez moi? Tamir, est-ce que tu l'as refait depuis qu'on a passé en 1.16? Parce que le Nether a été refait entièrement, Tamir. Je voulais mettre des tapis jaunes et rouges, mais ça rend pas bien du tout. En fait, j'ai enlevé la nappe, ici. Je vais en mettre une rouge, ce qui me permet de mettre les tapis bleus au sol, qui sont plus en rapport avec la mer. Je sais pas, je fais des tests. Là, ici, pour cacher ça. Voilà. Écoutez, je vois pas trop quoi faire d'autre. Là-bas, il y a des... C'était quoi ce bruit? Il y a un truc qui est mort là. Elle l'a refait et il y est plus. C'est bizarre ça. Très bizarre. Bon. Pour l'instant, ça, c'est pas terrible. Donc, j'ai un baril, un lit. En vrai, c'est fonctionnel. Il me manquerait peut-être... J'enlèverai la bibliothèque pour mettre une table d'enchant. Ouais, ça marchait. Ah, merde. Je tombe dans une grotte. Je vais remonter à la surface. Je verrai bien. C'est bizarre, ça, Tamir. Bon, pour l'instant, écoutez... Je vais ranger les trucs ici. Les trucs qui vont me servir pour la maison. Quoique, il n'y a rien qui va me servir pour la maison. Je vais prendre le maximum. Ok. On va laisser ça comme ça. Et puis, on va retourner de l'autre côté. Le bateau, je vais le laisser amarrer. Ici. À ponter. On dit ça, à ponter? Ah, je peux faire ça. Je voulais mettre des dalles. J'en ai pas ici. Je le ferai après. Mettre des dalles et des barrières en dessous pour faire comme s'il flottait.
Un four. Ah bah ouais, un four, oui, totalement. Je vais ranger ce que j'ai sur moi et puis on va faire le moulin. La table d'enchant, ce serait pas à sa place. La table d'enchant, ce serait pas à sa place. Je voulais plutôt dire... pas. Si, une table d'enchant. Ça fait vraiment une belle table de chevet, une table d'enchant, regarde. Je vais te montrer, j'en avais une ici. Là, comme ça. Ça fait beau. Hein. Enfin, je trouve. Là, il y a un four. Je vais faire un truc. On va faire un truc tout de suite. Je vais en profiter. Voilà. Comment je peux monter le chien ? Le chien, il monte ? Merde, pardon. Bon, tant pis pour le bateau. Le chien, il peut monter ou pas ? Si je monte là. Une table d'enchant dans une maison de pêcheur. Non. Bon, d'accord, excuse-moi. Excuse-moi. Moi, je croyais que ça rendait bien. Alors, comment monter le chien ? Viens ici, trou de balle. Je vais t'appeler trou de balle. Je vais rejeter ça. J'en ai pas besoin. Mais je vais aller rechercher... Là, voilà, le bateau est là. Tu vas galérer. Bon. Bah, du coup, on abandonne l'idée de monter le chien dans la maison. Tant pis. Hein. Je vais faire le ponton. Tant que je suis revenu, j'arrête de tourner en rond. Voilà. Parce qu'il pourrait pas se TP. Genre si je suis là, il vient pas se TP à moi. Ah, j'ai la table de craft à poser. La table de craft, ce serait peut-être... En fait, j'ai pas beaucoup de place dans cette maison. Quand tu as des animaux, bénis des trucs précieux dans ton bateau, casse le bateau à la pioche ou hache parce qu'à l'épée, fais des dégâts d'un petit... Ouais, ok, ça marche. Pas de soucis. Donc là, ça, c'est bien. Bon, écoutez, je vais mettre ça là. C'est pas le meilleur endroit, mais c'est pas grave. Je vais faire de la place parce que j'ai pas beaucoup de place là. Je dégage le maximum. J'ai gardé des barrières, j'en vais en avoir besoin. Bon, le baril de Tamir, ça reste là. Ok. Jungle slab, donc on va pouvoir refaire avec ça. Voilà. Et je vais faire de quoi finir le ponton. Voilà, ce sera largement suffisant. Les barrières en dessous. Je pense que ce sera mieux. Vous me direz. Hein. Au pire, je modifie. Je sais pas comment faire un ponton de manière naturelle. Enfin, pour que ce soit le plus propre possible. T'as les bateaux là. Bon, toi, tu m'énerves. Reste là. Voilà. Tu vas la remettre, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais oui, il faut qu'elle revienne. Sans dit de map, on est perdu. Voilà, on va laisser le bateau là. Là, j'appuie toujours sur E pour partir. Je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe. Donc là, c'est le ponton. Voilà, et puis je vais mettre des barrières en dessous. Je me dis que ça fait un... Ah oui, mais oh merde. Ah bah non, alors... Bah tant pis. On va laisser ça. Ça fait un peu flotteur, je trouve. Du coup, j'en ai plus assez, on va refaire.
J'aurais dû laisser les blocs. Ou j'aurais pu en remettre aussi, hein, mais la flemme de tout refaire. Voilà. Mais c'est vrai que la Dinmap me manque beaucoup aussi. Et puis j'ai vu qu'elle était en 1.16 et tout ça, donc il n'y a pas de raison pour ne pas l'avoir. Alps tout à l'heure nous a donné pas mal de conseils pour améliorer le serveur, donc il y a des trucs à faire. Ah mais je vais laisser les dalles ici. Ça fait un petit peu flotteur, vous voyez. Ok. Moi je me comprends. Là il est bien accroché. Ici aussi. Voilà, hop, et là aussi. Et ça rend bien en fait de mettre des barrières. Voilà, mais c'est très bien. Et j'essaye un truc. Ouais, je vais faire ça, c'est pour apponter. Vous voyez, poser son bateau contre ça. Et on l'accroche. Pour l'accrocher avec du fil, des cordes. Voilà. Très bien. Allez. Il me faut un four. J'ai pas de quoi faire un four. Allez, maintenant qu'on a une idée, on va le mettre en pratique tout de suite. Toi, t'es sur ma route. Bam. Voilà, t'avais qu'à pas être sur ma route. IA de merde. Mais est-ce que j'ai des fours, des trucs déjà tout prêts ou des trucs à ramener là-bas? Je vais faire un truc, je vais mettre un truc d'armure. Ça n'y a pas besoin, là j'ai un four. Je vais en mettre un seul. Vous savez, un truc d'armure, comme ça on peut mettre des trucs en cuir. Faut que je me rappelle comment on fait ça par contre. Je vais mettre des équipements en cuir pour aller à la pêche. Des habits de pêche en fait, quand tu vas contre vents et marées. Dans l'eau. C'est toujours cool d'avoir des habits. Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Heureusement qu'on peut regarder tout ce qu'on peut craft comme ça. Je serais perdu des fois. Je le vois pas, tiens. Regardez là. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Que je passe pas 3 heures là-dessus. Ça m'étonnerait que ce soit là. Et pourquoi il me le propose pas? Des armor stands. Comment on fait des armor stands? Je sais plus. Ah. Chiotte. Et c'est vrai que j'en ai jamais fait. Non, j'en ai jamais fait. Je prends des bâtons, mais... Il faut du bois. Tu veux faire Armor Stand, la boîte en haut à droite pour montrer uniquement ce que tu peux craquer. Bah, le but c'était justement de montrer ce que je pouvais. Ce que je pouvais pas faire en fait. Parce que j'avais pas de quoi le faire. Armor Stand, pourquoi je peux pas le faire? Dalle et stick. Dalle. Bah ouais, mais comment? Vous voyez, je peux pas le faire. Pourquoi donc? Attendez. J'ai regardé le schéma sur Google. Ah, je viens de voir que je l'avais mal fait. Ok. J'ai le plan. Alors. Donc c'est comme ça. Toi tu dégages. Et une dalle ici. Smooth Stone Slab.
Il faut forcément de la smoothstone. Smoothstone, ouais, ok. Merci Tetra. Bon, j'étais pas loin. Peut-être que j'ai jamais fait de smoothstone slab. Et c'est pour ça qu'il me le propose pas. C'est quoi ça? Cette landésite, c'est là-bas. De la stone. J'ai pas le stone slab. J'ai pas le truc là pour les roches. Qu'est-ce que j'ai pu en foutre? Bon, c'est pas grave. Quoique. Je l'ai forcément mis quelque part. Il est dans le nether. C'est qui ça? Attention, Tetralox. Rien ne bouge chez moi. Hein. Attention. Je veille au grain. Stone slab. Il faudrait que je me fasse de quoi faire de... des fusées et tout ça. Attendez. Pourquoi j'ai mis en rouge derrière? C'est foncé là, ça va pas. Voilà. Ce sera plus clair. Je vais prendre les appareils. Et puis je finirai le chemin après tranquillement. Parmi tout ce que j'ai à faire. Ça là. J'ai regardé. Donc on met ça. Ou il faut cuire avant. Je suis sûr que vous allez me dire il faut cuire avant. C'est ça hein. J'ai regardé si j'ai pas déjà. Qui est-ce qui voulait une tête? Qui voulait une tête à moi? Il y en a une. On va laisser ça ici. J'en ai une ici dans mon coffre Nether. T'inquiète, Tetrax, c'est pas de soucis. Je préfère prévenir. Normal. Bah attends, mais... je vais prendre la machine, je suis con, moi. J'ai l'embarqué. Je tourne en rond. Cuir, ouais, il faut cuire. Un jour, je vous promets, j'arrêterai de poser des questions idiotes. Il faudrait que je finisse mon chemin en glace, là. Je le ferai moi-même. Attention, les gens du serveur, je les vois venir. Pourquoi tu joues encore avec des cubes si tu sais pas quoi faire? Bah, il faut bien apprendre à jouer, en fait. Il faut bien apprendre. Merde. Pourquoi j'ai fait un trou, moi? Nickel. Alors, j'ai des fours qui tournent là dans ma salle des coffres. Il va falloir de la laine. Donc là, je fais mon armor stand et ensuite on fait le moulin. On va le terminer. On va éviter de passer 3 heures sur cette maison là. Ah bah et puis on récupère ça. Je vais laisser cuire. J'ai rangé vite fait certains coffres. Donc tout ce qui est or, c'est ici. Tetraox s'en va. Bah des bisous. Ah bah il y en avait un là. C'est pas grave. Smooth stone. Et du coup... et ben voilà. Et ben voilà, maintenant on peut. Du coup, il va se proposer. Non, bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on sait. Mais c'est vrai que quand tu sais pas... tu peux être perdu sur certaines choses. Voilà. Il a fallu 10 minutes, mais on a réussi. Je le ferai moi-même, tu vises quelqu'un. Non mais viens taper des ballons avec des voitures là, plus tard. Je le ferai moi-même, tu vises quelqu'un. Oui. Oui, j'ai visé quelqu'un. Je préfère prévenir tout de suite.
Bon, ça suffira. Mais j'ai oublié le principal. J'ai failli oublier le principal. Une maison de pêcheur. Voyons. Une maison de pêcheur, mais qu'est-ce qu'il faut dans une maison de pêcheur? Pas ça, déjà. On va prendre deux items frame. Non, allez, trois. Voilà. Du Rocket League, ouais, j'en ferai. D'item frame. Le poisson, est-ce que j'en ai là ou vraiment... J'en ai jamais eu. Non, tout est de l'autre côté. On en tuera sur la route. J'ai du cuir. Bon alors, il me faut des cannes à pêche. On va faire des cannes à pêche. Level up pour Saint-Trent Diagonal. T'es grillé, mec. T'es grillé, Saint-Trent Diagonal. Un pêcheur. Ça peut être bien aussi. Non mais à chaque fois que je mets des villageois dans des maisons, je les retrouve jamais. Toujours un coup de Raphaël, ça c'est sûr. Là j'ai une victime tout trouvée. Hein. Voilà. Et voilà. Mais des cannes à pêche évidemment. Je pense qu'il y a un gros décalage sur le live à cause du lag de tout à l'heure. Voilà. Ah non, hein. Attention, Raphaël. Hein, Où est-ce que je vais le mettre? C'est joli. Non, c'est pas joli. Pour l'instant, c'est pas encore joli. Donc, l'armor stand, on le met là. Et puis, on va mettre sa tenue de pêcheur ici. D'accord. Et les items frame. Allez, au-dessus de la table à manger. Ici. On va mettre une belle photo de poisson au-dessus de la table à manger. Ici, on va mettre une photo de canne à pêche. Et puis ici, encore un poisson au-dessus du lit. Mais pas le même. Un saumon. Et niveau déco, on s'est amélioré là. Re et Doudouard, re. Et puis je vais ranger ce poisson-là ici. Voilà. Bon, je trie un petit peu, c'est histoire que ce soit bien. J'ai plus mon arc, dommage. Les tapis vont virer, hein. J'aime pas du tout. Parce qu'en fait, le problème de cette maison, c'est que ça, c'est en plein milieu. Et j'ai pas envie de le mettre autrement, du coup, on perd la place ici. Je crois que ça a avancé depuis que je suis parti, c'est plutôt classe. Classe, je sais pas, mais en tout cas, ça a avancé. J'ai mis des petits tableaux. C'est un pêcheur. J'ai mis sa tenue de pêche ici. Pause. Ok. Repasse-toi bien. La table de craft, je trouve pas ça terrible. Donc là, il peut dormir. Il peut s'asseoir ici, voilà, pour manger. J'ai ramené un four. Faut que je trouve un système de rangement, là. Ça va pas. Donc je vais plutôt mettre le four ici. J'avais mis quoi? La table de craft, peu importe. On va mettre ça ici. Ce qui me permet de poser un truc sur le four. Voilà. Là, c'est bon. Bah, écoutez, en fait... ça va. Voilà. Pour l'instant, je vais me contenter de ça. C'est pas terrible. J'aimerais vraiment mettre des tapis, mais je suis pas inspiré pour le placement des tapis. Vous voyez, là, c'est moche. Je mettrais bien juste pour la sortie de lit.
Il peut toujours pas aller aux toilettes, ce pêcheur. C'est vrai. Mais tant pis pour lui. Ah, il faudrait que je ramène un villageois. Mais la flemme. Alors, il y a un truc qu'on va faire tout de suite. On va se préparer à faire le moulin que vous voyez là-haut. Là, t'es pas trop disponible, mais il n'y a aucun souci, Edouard. Aucun problème. Mais là, au milieu, au sol. J'y retourne. Ah, j'y retourne une dernière fois. mets des escaliers à l'envers, comme ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai regardé un truc tout de suite. Là-bas, j'ai cru apercevoir les débuts d'une île. Toute seule, une petite île. J'ai regardé vite fait à quoi ça ressemble. Ah, c'est loin, en fait. Mais si c'est pas trop loin, on pourra essayer d'y faire un truc plus tard. Genre une tour de guet, un phare, un truc du genre. Ah, c'est une grande île. Trop grande. Tant pis. Mais déjà, quand on arrive ici, on voit la maison, c'est plutôt pas mal. Et tu construis le moulin. Non, t'inquiète. Je pense que le moulin, je commence dans 10 minutes. Un damier de plusieurs couleurs. Ouais, mais c'est pas beau. À moins de le mettre sur tout le sol, pour l'instant, c'est pas très très beau. Alors, Tony, au milieu, au sol. Tu veux que je mette la table de craft au milieu, au sol, comme ça? Je suis pas sûr que ce soit ce que tu proposais. Je vais faire le plafond tout de suite, je vois très bien ce que tu veux dire. Jungle, ça, c'est pas des jungles du tout. J'ai plus ce qu'il faut en bois. Ah si, c'est ça. Comme ça. Mais non. Un damier noir, blanc, gris. J'essaierai. J'essaierai de faire un truc. Mais pour l'instant, je suis pas inspiré, alors je me précipite pas. J'attends la réponse à la place d'un bloc. Mais en fait, c'est bien ce qui me semblait. Mais le problème, c'est qu'on va la voir d'en dessous. À la place de la bûche du pilier central. C'est vrai que ce serait peut-être plus beau. Comme ça. Bon, j'ai pas besoin d'être dans le lit. C'est vrai que c'est plus beau. Dans le sol. Ouais, non, mais j'avais bien compris. Du coup... J'ai plus assez de bois pour terminer le toit. On va être obligé de faire un aller-retour. Bon, écoutez... En fait, ces allers-retours, j'aurais dû prendre le maximum de trucs, des shulkers et tout ça. Ça m'aurait évité de... Il faudrait pas que j'aille là. C'est ici, là, qu'il y a un ponton. Voilà. Je vais voir si j'ai encore du bois. C'est ça, de toute façon, le bois. On va en couper ici. Après, je rase les moutons pour le moulin. Il me faut de la laine. Je vais reprendre le moulin que j'avais fait sur mon ancien serveur. J'ai un screen. J'ai pas me casser trop la tête à essayer de perdre du temps, à essayer de faire un truc original. J'aimais bien ce que j'avais fait, je vais le remettre. Parce que mon ancien serveur, tout est perdu définitivement de toute façon. Donc autant reprendre des trucs qui me plaisaient et que j'aurais voulu garder sur un beau serveur. Voilà. On récupérera tout le bois qui va tomber. Les bâtons. Les pouces. Bon, ça va, en final, depuis le début de la semaine, là, je suis assez content. Ma maison, mon village avance. Maison par maison. Mais ça avance. Ouais, hop. Très bien. Là, le portail du Nether avec les arts rouges, là, qu'on a fait, c'est une tuerie. Je lui ai dit, bah, viens sur mon stream, j'ai une idée de portail. C'était ça, mon idée de portail. Dans la forme et avec les types de bois utilisés. Pardon, c'est le café. Avec le type de bois utilisé, j'avais cette idée.
Et il est venu, il a rapporté plein d'idées en plus. C'est propre. Les barrières, elles n'y étaient pas. C'est super cool. J'ai vraiment un beau portail. Maintenant, à moi de faire une belle maison autour. Hop, voilà. Allez, on termine ça et puis c'est fini. Il y a déjà un bateau là-bas, je vais pas en ramener. Après, faudrait que je vois si je fais la décoration. En parlant, je suis en train de me dire, j'aimerais bien faire une sorte de petit village, mais genre 4-5 maisons sur pilotis. Vous savez, je fais des pontons et puis je construis des petites cases. La table de craft. Vous voyez, je la cherche depuis tout à l'heure. Dès que je viens, je cherche la table de craft, je suis perdu. Voilà. Effectivement, c'est plus beau puisque j'ai fait ça à l'extérieur. Voilà. L'idée d'Edouard. Bon, là, je considère... J'ai pas considéré que ma maison est finie, mais je considère que pour l'instant... Bah, tiens, voilà, re-Edouard. Voilà, j'ai fait ce que tu voulais. Je considère que... j'ai plus rien touché. Je vais reprendre le maximum. Ça, je vais peut-être en avoir besoin. Le blé, je vais le laisser là. Non, le blé, je peux le ranger facilement. Je vais laisser ça ici. Les vitres, je vais en avoir besoin. Je regarde si je peux prendre des trucs. Nope. Allez, je rangerai tout plus tard. Je vais reprendre ma photo de moulin et puis on va le placer. Je vais ranger le bois qui me servira à rien. On va aller voir tout de suite pour éviter de faire des allers-retours. Si vous voulez voir mon planning de stream, vous l'avez là dans le chat pour cette semaine. C'est un gros planning. Donc là, j'ai pas encore fini. Là, c'est l'accès à mes grottes. Il faudra que je le dégage. Je vais faire ça plus loin. Merde. Ah oui, j'ai plus de place. Ici, le moulin est assez foncé. Ouais, vous voyez, il faut que ça arrive ici, là, ça va faire. Le moulin est assez foncé. Et pareil, l'intérieur, ça va être une galère. Donc il me faut... des stone bricks. Il me faut... c'est du dark oak, hein, ça. Spruce. Ok. Ça, c'est dark oak. Ouais. J'ai ce qu'il faut ici. Voilà, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. J'ai besoin de pas grand-chose, au final. Hein. J'ai plus qu'à construire. Bon, bah allez, on va ranger ce qu'on a sur nous pour faire de la place. Et puis, on revient ici et on construit le moulin. Vous êtes chaud ? On aura fait deux trucs déjà en deux jours. En deux matinées. Alors, c'est là-bas. Ici. J'ai pas toujours fait les coffres. Ici. J'essaye de bien ranger. Au moins, ce sera fait. Et je vais pas être perdu à chaque fois que je veux quelque chose. Ça, c'est là. Jungle. Alors, la jungle, on a ça. Ça, j'ai pas. Est-ce que j'ai des stairs? Oui. J'ai des barrières. Il me semble que j'ai des barrières. Acacia. C'est là-bas. Tout sera automatisé, hein. Dans pas longtemps. Peut-être à la fin de la semaine. J'y crois pas, mais... De toute façon, après, je reprends les streams normalement la semaine prochaine. Oh, salut Jimmy. Comment prononcer ? Jimmy Diel ? GDL ? Excuse-moi. Merci pour le follow, comment tu vas ? C'est pas bon, c'est de la jungle en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pas de dalles à ranger, acacia. Les dalles d'acacia. Ça va être ici, j'avais pas encore fait le coffre. Et bah les barrières d'acacia. Écoutez, en plus, on a avancé sur le rangement. Tout ce qui est bois, à part les échelles, tout ce qui est bois, c'est rangé. Il faudrait un coffre à bâtons. Là, ici, c'est quoi? Dark. Ok.
Ensuite, j'ai tout ce qui est briques, stone slab et tout ça. La stone, on peut la ranger. Est-ce que j'aurais pas deux coffres de stone? Non. Ah non, de toute façon, j'ai les entonnoirs derrière. Donc ça, c'est bon. Les trappes d'or et tout ça. J'ai beaucoup de trucs qui ne servent à rien. Les fenêtres. Je pense que je vais finir la semaine en rangeant tous les coffres aussi. Encore un truc à faire. Voilà, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça se range dehors. Ok. Bon, on va garder ça sur nous, ce sera très bien. Je vous avais dit qu'il fallait tondre les moutons. Je vais prendre ça. Voilà. Comme ça, le temps que ça repousse, on aura déjà de la laine pour faire les pales. Je sais pas si on dit des pales pour un moulin. Je crois quoi, hein. Merde. Clic droit, pas clic gauche. Bon, il y a du rouge. J'essaierai de tuer les moutons de couleur. Pour rebouger d'autres moutons. Et faire des enclos. Les bouger comme ça, ce serait trop long, trop compliqué. Ok. Parfait. 21. Il m'en faudrait 4 x 7. Donc on n'est pas loin. J'en avais déjà un petit peu d'avance. Donc ça va. Alors dans les barils ici, il y a tout ce qui est bouffe. Je vais mettre le blé ici. Bah écoutez, je pense qu'on peut commencer le moulin. Il faudra vraiment que je fasse mon chemin aussi. Je pourrais commencer par ça. Je pourrais peut-être commencer par ça. Parce qu'on va descendre là-bas. Sinon, tu fais un trieur. C'est prévu. C'est pour ça que je vais faire le bâtiment au-dessus. J'arrive à rien sur mon site, c'est terrible. Bah reste là alors. Le bâtiment que tu vois là, c'est le bâtiment où je vais jeter tous mes objets et ça va trier. Donc t'en fais pas. Ici. Alors. Ouais, du coup, j'ai encore du bordel sur moi. Ça sert à rien. Ça, on peut le ranger. Ça sert à rien. Ça va être utile. Ça, je peux le ranger. Et tout ça sert à rien. Donc, on va prendre le Dark Oak. Ça aussi. On va faire des stairs. 41, ça va pas être assez, mais... Allez, on va refaire plein. Voilà. Je laisse ça de côté. Painting. On peut faire des paintings. Y'a qui sur le serve? Bon, ils pourront passer la nuit, j'espère. Est-ce que j'ai des échafaudages ici? Non. Bon bah allez, c'est parti hein. On sait très bien ce qu'on a à faire, on va placer la première couche. Deux stairs, comme ça. Faut que ça fasse tout le tour, merde. Faut que ça fasse tout le tour, j'ai déjà placé comme ça ici. Et ensuite on tourne. Ah, mini-poteau a rejoint le serveur. C'est simple à faire. Tu vas te calmer tout de suite, tu m'insultes pas, parce que pour moi c'est pas simple. Mais ouais, t'inquiète. J'en avais fait un trieur, je l'avais pas terminé. Sur mon ancien serveur, on avait fait un truc de malade avec Tamir. Une grande salle des coffres, ça tournait autour et tout. Mais là... J'étais en train de me dire que je ferais mieux de réparer mes élytras. Parce que je sais que je vais mourir. Je vais reprendre mon plan. Donnez-moi une seconde, ma photo. Faut que je la retrouve. C'est bon. Donc je vous dis, hein, j'ai un modèle, c'est parce que c'est mon moulin. Mon moulin que j'avais envie de refaire à l'identique par rapport à mon serveur précédent.
Et j'ai pas envie de repasser 3 heures dessus. On y va, je le fais, tac tac tac, on pose et puis on est tranquille avec ça. Voilà. 36 secondes de décalage. Mais ouais, il y a un gros décalage. En fait, il y a eu un décalage tout à l'heure parce que ça a planté. Le jeu a planté. Et j'ai vu que ça laguait à mort et tout ça, donc... Donc tant pis. Bon, je vais rester dans les airs. J'allais chercher le bois et puis c'est parti. Faut F5. Tu crois que ça... Moi, ça a pas sauvé la mise... Copeng. Je vais faire F5. J'ai toujours le gros décalage. Bon, après, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que c'est chiant. Comment ça va sinon, Zach Tribe? C'est le gros retour de Zach Tribe sur Twitch. C'est pas le bon bois. Excellent, j'aime bien. Ça, c'est le spruce. Je sais pas le nom français. Spruce, voilà. C'est ça. Et puis j'en ai assez, donc pas de pression. On va mettre ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir replacer les blocs au-dessus. Nickel, on va refaire un étage. Je ferai... Aïe. Bah du coup, maintenant que je suis là, on va chercher le... C'était pas prévu. La stone brick. Comme ça, on peut combler les trous. Ce sera plus simple. Soon, very soon. Mais déjà, en tant que viewer aussi. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu autant. Ça fait plaisir. La stone brick ici. La stone brick pas ici. Voilà. Alors là, on a deux couches. Ici, ça va être le plus chiant. Parce qu'à un moment, on est obligé de ne pas être droit. Et il faut que je décide dans quel sens on n'est pas droit pour être cohérent pour la suite. Mais au pire, c'est du détail. On fera ça, on verra ça plus tard. Bah, vu que l'entrée du moulin est là, on va faire le toit droit ici. Ok, donc du coup, on est tous d'accord, ça va être là. On met ça, et là on peut monter ici. Ouais, quand est-ce que tu viens sur Minecraft, Zach Tribe? Quand est-ce que tu rejoins le serve? Salut Sir Yoda, comment tu vas depuis hier? Sur Yoda, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier, que tu avais perdu des identifiants. Et en fait, ça me dit quelque chose, c'est pas la première fois que tu perds tes identifiants, Twitch. Dis-moi tout. Je pense que j'ai fait une connerie ici. Pas du tout, c'est parfait, je suis parfait. Tout est bien. Une jolie tour. Attends, là ça c'est rien. Parce que... Le lézard rouge ici présent va nous faire une tour. De 255 blocs de haut. C'est ça, hein. C'est ça. Hein. Tu me files le vertige, j'ai rien que de le dire. Ici. Donc là, on est bon. Est-ce que... Non. Voilà. Vous savez pas quelle question j'avais posée, mais vous avez déjà la réponse. C'est dingue. C'est dingue comment... Aïe. Comment ça se passe la vie? Voilà. Voilà. Bon, l'intérieur, j'avais galéré. C'est vraiment ma bête noire. Faire l'intérieur. Parce que je vais être content de ce que je vais faire. Mais l'intérieur, alors... Est de 49 par 49 en hexagone. T'es un fou. Est-ce qu'on aime se faire chier? Avec Vi, on verra... plus tard. Attends, de quoi? Re à plus. Pas de souci, Edouard, t'inquiète. Là, il y a un souci. J'ai pas mis droit. Je me suis trompé. Lui et lui. Putain, mais je vais aller réparer mes élytras.
Hop là. Donc toi t'es là. Et toi t'es pas là, toi t'es ici. Ah, et du coup ça me plaît pas trop en fait. On va voir le troll occasion. Ouais, il faudra que j'y aille. J'irai après, promis. Je vais aller me réparer mes élytras. Ça m'évitera de tomber comme une merde et je pourrai au moins me rattraper. C'est dans la mer par chez toi. Ouais, ok, je vois. Ok, des bisous à Tribe. Merci beaucoup, bonne journée à toi. Elytra, ça doit être dans ce coffre. Ici. Pas du tout. C'est trop bien, je range trop bien mes coffres. Faudrait vraiment que je dégage ces coffres poubelles. Bah alors, c'est pas là? Je les ai vus tout à l'heure. Ou alors c'est en haut? J'ai du mending dessus, donc je pourrais aller les réparer. Faudrait que je mette mending sur tous mes outils, mais ils sont pas ouf de toute façon. C'est que des pelles à la con. Ici ou dans la maison qui est derrière? Dans la maison derrière, ok. Oula. Et oui, pour mes identifiants, c'est pas la première fois que je les perdu parce que je les marque jamais. Mais il faut que tu... Enfin, je sais pas, enfin, marque-les. Maintenant, là. Maintenant, marque-les maintenant. Tu prends un bout de papier et t'écris tes identifiants Twitch, maintenant. Alors, par contre, on va faire gaffe. Je vais prendre une pièce... J'ai pas de pièce d'armure en or. Je vais récupérer une pièce d'armure en or avant d'aller dans le Nether. C'est vraiment les réflexes à la con de la 1.16. Et on va tout de suite dans l'End. Si tu veux du mending, ok. Bah, attends, je vais voir les équipements, les enchantements que j'ai. Parce que j'ai des trucs ici. Mais ça doit pas être ouf. Fortune 4, j'ai plus respiration, j'ai plus de toute façon sans tape. Fortune 3, non. Efficacité 1, ouh. Smite 1, ouh. Featherfalling 3. Ça c'est cool. Mais non, je vais pas prendre ça. Je vais juste me faire des bottes, toutes bêtes. Parce que je vais mettre mes élytras, donc je vais pas prendre. Voilà. Mais ouais, j'hésiterai pas à te le faire savoir si j'ai besoin. Merci. Je prends un bateau et puis on y va. Sur le port. Par contre, je me suis fait plein de poules. J'ai plein d'œufs. Mais je sais pas quoi en faire. Mais j'ai des œufs. Plein. Faudrait que je dégage ces petits ruisseaux là. C'est vraiment pas beau. J'essaierai de faire autre chose. Et pareil pour la petite fontaine là. J'essaierai de faire autre chose. J'ai dégagé le pont qu'on avait fait ici, hein, à Lazare. Je sais pas, ça m'allait pas. J'ai bien mending dessus. Pourquoi j'arrive pas à voir? Parce que j'ai pas mending dessus. Ah! Donne tes œufs, je vais en avoir besoin. Ah bah. Si tu veux, tu pourras te servir sans aucun problème. J'ai peut-être plus de mending en fait. Je vais voir si j'ai des enchantements cachés dans mes. Je pense avoir du mending. Non, j'en ai pas de mending. Hop. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'en avoir. Ou alors je confonds avec Bully Cube. Toucher de soi. C'est quoi ça? Fortune 3. Bah, reviens là en fait. Power 2. Non, j'ai pas de mending. Ah, fait chier. Pourquoi j'ai l'impression d'en avoir? Vraiment, je confonds? Ah ouais, je vais aller en piquer. Hein. Je vais en piquer dans les coffres des autres. Ah bah ouais. Bah allez.
J'ai ramené ça chez Lazare. Je vais ranger ça. Tout ça, j'ai pas besoin du tout. Voilà. Très bien. J'ai passé la nuit avant de partir. Donc, c'est où? Ce sera où le mending chez toi, Lazare? Toi, et puis les gars, on va aller voir vite fait ce qu'a fait Lazare aussi. Son trou, sa pyramide d'obsidienne. Au-dessus. Je vais te ramener des œufs. Plus. Salut, c'est Karou. Je vais juste dégager ça. Je te prends un petit coffre. Je te ferai un coffre sur la route. T'as des émeraudes dans la petite maison. Et des livres, sers-toi. Ok. C'est dans le coffre à l'entrée. À droite à l'entrée. Ok, ça marche. Je vais essayer de me repérer. Comment ça va, c'est Karou? Bon, après, on finit ce moulin. Hein. J'ai encore l'effet du beacon de chez moi. Allez, allez, on en profite. Faut aller voir les PNJ, le deuxième à droite. Ok. Hop. Ah, j'ai plus de torches du tout. Là, il faudra que je finisse ça. Ouais. Je vais regarder si j'avais bien... Si j'avais bien mes pieds en or. Ah non, j'ai pas de table de craft. Bon, je le ferai chez toi. Je regarde ici ce que j'ai. Ah, quelqu'un a venu chercher ma tête. J'avais une tête à moi ici. Alors, c'est par où? Par chez toi, c'est à l'opposé. Hein. Non, c'est pas à l'opposé, c'est au sud. Donc, moi, je suis à l'ouest. Donc, en toute logique, ce serait à droite, au hub. Des gros bisous, sérieux, merci d'être passé. Fatigue de ouf. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est une galère à chaque fois pour passer ici. Ce serait ici, chez Lazare? Oh putain! J'ai cru que j'allais tomber! J'ai cru que j'allais tomber, tu viens me chauffer, ça? Voilà. Je me l'ai fait, hein, écoutez. En passant. Faire un peu le ménage. Y'a rien pour éviter qu'ils spawnent, ceux-là. T'es à l'opposé, maintenant? Non, t'es au sud. Là, tu vois. Ça me fait plaisir de les tuer, hein. J'aurais pu me barrer et puis les laisser là, mais bon. Nickel. Allez, on a fait un peu le ménage. C'est parti, t'es super loin en plus, toi. Là, vous avez galéré, vous avez dû galérer à faire tous les chemins comme ça, passer du temps. En plus, c'est long, c'est redondant. La soirée pour mon anniv, donc là, c'est dodo à fond. Ah ouais, c'était ton anniv. Bah, bon anniv en retard, du coup. Je ne savais pas. Bon anniversaire, c'est Karou. Tamir, qui n'a pas fait son chemin. Ça balance. Ah. Ok. Du coup, chez Lazare, c'est où? À droite ici ou là-bas? J'attends ta réponse, Lazare. À droite ou à gauche? On a dit c'était le 16. Ah ouais, d'accord. On va aller voir par là. Dégage-toi. Dégage-toi. Au moins, il y a de la glace. Au moins, on peut y aller avec de la glace. J'espère vraiment que c'est toi, parce que ça fait beaucoup de route.
Là-bas. Merci. Merci pour l'info. Un squelette. Mais non, mais je bug là. Voilà. J'ai cru que j'allais mourir bêtement comme ça. Mon chemin est en cours comme ton moulin. D'accord. Bon, tout va bien alors. Alors. C'est bien ici chez toi, Lazare ? Je reconnais pas. C'est pas ici. Dommage, c'était l'autre. Bah oui, c'est... Je sais pas ce que c'est ici. Tu re... Ok, pas de soucis. Je sais pas qui c'est ici. C'est sûr, c'est l'autre. Ouais, bah du coup, oui. Allez, c'est reparti. Bon, de toute façon, on verra tout de suite ta pyramide d'obsidienne, là. Regarde ton chat, mais... Je l'ai vu, je réponds. T'as un gros décalage, Lazare. Quand je te réponds, c'est une minute après. Tu me réponds, tu me parles toujours une minute après que je te parle, alors... Pas de ma faute, hein. Ah là, par contre, ouais. Oh, le piège à con, là. Le piège à con. Bah, allez, on va le faire à pied. Le bateau, c'était pas à moi. Je le récupère après. Tetralox, quoi. Il y a pas mal de trucs cool. Hein. Mais confuse, t'inquiète. Là, j'ai répondu pile quand t'as écrit. C'est le portail qu'on voit déjà là-bas. Donc ça, c'est pas si loin que ça. Nickel. Donc je passe tes œufs. Je te fais un petit coffre. Ah mais c'est beau ici. Bien joué. Ah, effectivement, bah, t'as quelques chats. Pourquoi t'as autant de chats? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ces pauvres chats? On va regarder un petit peu ce que t'as fait chez toi. Ah, ok, une petite salle des coffres. Je ne savais pas que j'avais pas de lag. Attends, on est où là? C'est pas chez toi? C'est quoi ce bordel? Mais c'est chez qui ici? Deux personnes. Bah. C'est complètement pas chez toi. Bah ouais, c'est bien ce qui me semble. En plus, tu dis que t'as des chats et moi j'arrive ici, il y a des chats partout. J'essaie de voir en dessous ce qu'il y a. En tout cas, c'est pas mal, c'est beau. C'est juste au-dessus de l'eau. Ok. Bon, bah allez, on s'en va. Donc du coup, chez Lazare, on sait pas où c'est. Mais en tout cas, c'est pas mal. Mon portail Nether est en 975-700. De souvenirs. T'es sûr de tes souvenirs? Bon, on va essayer de le trouver. Voilà. Hop, et puis j'ai récupéré le bateau.
T'as dit 700. Ou alors quelqu'un s'est planté en mettant... Donc là c'est bien Tamir. Quelqu'un s'est planté en mettant ton nom. Il a cru que c'était chez toi. On va aller voir en face. Ouais, il y a un souci, il y a un bug. Je sais pas qui l'a fait. Mais il y a un souci. Tout ça pour réparer des élytras. Ok. Donc ce serait par là. Raphaël, Black Wild. Ah, cet enfer. On va voir, t'as dit 900. Donc, vers ici. Bah, pile ici en fait. Ce serait ça, Lazare ? N'hésitez pas à marquer vos noms, en tout cas, à l'entrée des chemins. Mais les cordes... Ouais. Je l'ai déjà mis... C'est le live qui est en retard comme ça, ou c'est toi ? Si tu fais F5. Là, y'a rien. J'essaie de voir où est-ce que je suis, mais... Un peu, quand même, 900 plus. Mec. Ça va, j'ai pas fait beaucoup de route. C'est pas la bonne direction. Bon, sinon, tant pis, hein, je fais ça plus tard, c'est pas grave, je fais mon moulin. Ça attaque même si j'ai de l'or. Oui. J'ai mangé un coup. Je suis sûr que tu le savais et que tu m'emmenais ici exprès. Putain. Il est mort ? Il est mort. Ok. On va récupérer de la vie. J'aurais dû prendre mon arc. Je vous laisse, je dois y aller. Des gros bisous de Tamir. A bientôt. Bah, il est plus là ? Il est parti où l'autre ? Bah, peu importe, tant qu'il est plus là. Ok. Non du tout. Ok. Non mais c'est incroyable ça. C'est incroyable, ça continue tout droit, ça peut être ça ? C'est sur ma droite. Ah. Par là alors, mais sur la droite. Après, sur la droite, ça dépend de... à partir de où. Non mais sinon, tant pis, hein, Lazare. Je peux pas passer 3 heures à fouiller comme ça, à tourner en rond. Ça pourrait être là-bas. Et le temps que tu répondes, j'y serai déjà... Tant qu'il n'y a pas de glace, il faudrait laisser... Faudrait laisser deux de haut pour pouvoir sauter en courant. 975. Bah c'est ça alors. 750. Oh là là, l'enfer. La prochaine fois je prends un cheval. Donc on est bon là.
Bon bah on va tout droit. Hein. Pas besoin d'afficher le... Je vais juste faire un truc. Je vais regarder si c'est le live qui est... qui lag. Voilà. On verra bien. Ouais, il y a un gros retard. Hop. Petit mouvement. Ouais, il y a un gros retard sur le live. J'y peux rien, désolé. Ça, en enlevant Optifine, ça a tout fait laguer et du coup... T'as pas eu le temps de... Bah, sois pas désolé, c'est pas bien grave. Hein. Comment tu peux laisser ça? On va faire attention. On va faire attention. Tout veut nous tuer là. Lazare, ça va plus là. Il y a des trous dans le sol. Dans les murs. Donc là, t'as déjà commencé à faire ton gros trou pour accéder à la couche 0, c'est ça? C'est pas toi, ça. Ah. C'est quelqu'un qui a dû prendre, je sais pas, du quartz ou quoi, non? Ou de l'or? Hop. Écoute, je prends ce qu'il y a à terre. C'est à terre, je me sers. On y arrive bientôt? Ouais. Nickel. Oh, ça avance tellement bien le serveur. Tout... Déjà le Nether, c'est une tuerie ce qu'ils ont fait. Je sais pas à qui exactement a travaillé sur le Nether. Tony, Raph, peut-être Magic, c'est Tralox. Mais le boulot a été dingue. Bon, pas ici. Mais tout ce qui est hub et tout ça, c'est ouf. Ok, donc là on est bon. Ça y est, le trou est présent. Ok, on va aller voir le gros trou de Lazare. Ah, bah déjà avant, le portail était à l'extérieur. C'est pas mal, ça. On va aller par là. On va bien voir ce qui se tombe pas. Non, t'inquiète. On voit ta pyramide psy et la mer est là-bas. Je vais y aller. On va aller jeter un coup d'œil. On va essayer de pas tomber dans le trou. T'as pas fait la déco du Nether. Ok, ça marche. Bah, ne sachant pas, j'ai donné les noms de ceux qui jouaient le plus sur ça. Ok, sympa. Donc là, ça, c'est le début de ta tour. Tu dois encore descendre, là, non? Nickel. T'es pas en couche 0 là? Si. J'arrive pas à me rendre compte d'ici. Non. Suis les beacons. Ouais, t'inquiète, je voulais juste aller voir. Je peux bien respirer sous l'eau, ça. Y a un truc pour respirer sous l'eau. Alors, donc du coup. Lazare, on est déjà à la bedrock. Putain, vous êtes des malades. T'es un malade. Tu m'as dit, faut rentrer dans la maison. Alors là, je te laisse m'expliquer comment avoir mon mending, du coup. N'hésite pas à me dire, là, pendant que je visite. Je vais te faire un coffre dans ta maison là-bas, je pense que je pourrais. Il y a des conduits, ouais, ok. Donc là, l'entrée était là avant. C'est pas ça? Ici maintenant? Ou alors c'est moi qui rêve? Non, ça a toujours été comme ça? Non, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une table de craft ici? Est-ce qu'il y a une table de craft? C'est fou. Faire un parcours avec les itras, finir les pioles. Ah, c'est votre truc. Ok.
C'est votre checklist. Attends, je vais jeter ça. Et ça. Comme ça, je pourrais me faire le coffre. Je te fais un coffre en plein milieu avec tous les œufs. Tu le rangeras quand tu voudras. Voilà. Nickel. Donc dans la petite maison, donc c'est celle qui avait à côté des mobs. De Théodule. Ah, c'est lui qui fait du bruit. La petite maison, ce serait celle-ci, potentiellement, non? Non, refuge à Chatou. On va pas y toucher, ça. Alors, va dans la petite maison et regarde dans le coffre à l'entrée à droite. Tu dois y avoir des livres et des émeraudes. Celle-là? Non. Non, ça, c'est le refuge à Chatou. La petite maison. Ah, parce que des maisons, y en a... Derrière? Non, y a pas de maison. Celle où tu étais. Ok. On va y arriver. Théodule, il fait du bruit, c'est perturbant. Alors va dans la petite maison et regarde dans le coffre à l'entrée à droite, ici. Tu dois y avoir des livres et des émeraudes. Il n'y a pas d'émeraudes. Ça, c'est à moi. Pas d'émeraudes, pas d'émeraudes. Et là-bas, il n'y a pas de coffre. Donc il n'y a pas d'émeraude ici. Qu'est-ce que tu en penses? Oh. Sinon tant pis, hein, écoute. Si c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'émeraude. On va regarder Théodule en attendant. Sinon, dans la pyramide. Il y en a qui se sont servis. Dans la pyramide, là-bas, l'entrée de la pyramide, il y en a une où il faut que je casse. Il fallait que je passe par en dessous. Attends, dans mes souvenirs, pour entrer dans ta pyramide, il fallait passer par ici. Je vais faire une ferme à Creeper pour avoir des fusées là. Bon, sinon c'est pas grave, hein. L'entrée est par les roseaux. Ouais, c'est ça du coup. Faut pas casser. Ouais, au pire, hein, c'est qu'un bloc et tu le replaces derrière. T'inquiète. Alors, je vais monter. Où est-ce que je pourrais trouver des émeraudes du coup, tu me dis? C'est un ascenseur, ça. Et au premier étage. Je suis au premier étage. Non mais là, tes coffres, ils servent à rien, c'est de la déco. Ah, c'est une salle des coffres. Donc il y aurait des coffres émeraudes. J'attends... Enfin, je cherche avant que tu me donnes la réponse. Je regarde vite fait ce qu'il y a, au cas où. Ok. Évidemment, je suis passé par le mauvais sens. Ah ! Ouais, il y a un peu d'émeraudes. Il y a quelques émeraudes. Bah, ce sera suffisant, ça. Au pire, je te les remets dans ton coffre. Ton coffre à œufs, si ça te va, comme ça, tu pourras les retrouver facilement. Et donc pour descendre, il y avait ça ici. Merde, c'est pas des... Oh, j'ai rattrapé l'escalier. J'ai cru que c'était de l'eau d'en haut. J'ai sauté comme un idiot. Et donc pour sortir, c'est ici. Prends-en 12. Ah merde. Il en faut plus. Ok, ok. On va s'en sortir.
Donc c'est là-bas. Je vérifie. Non, c'est pas là-bas. Je vais essayer de me repérer, mais... C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Évidemment, c'est de l'autre côté. C'est là-bas. C'est bon. Il en faut 12. Bah attends, je vais... 9. Voilà, je t'en ai pris pile 12. Voilà, et j'ai remis. Voilà. On va s'en sortir. Ne retourne pas. On ne retourne pas quoi ? Donc là, normalement, c'est bon. Ah. Il fait nuit. J'espère que c'est très bien éclairé chez toi. Ensuite, t'avais dit... au pire, tu peux faire du trade avec les villageois si besoin. Mais t'avais dit... Allez, tu dois... Et ensuite, va au PNJ Feather Falling. François Xavier. Pourquoi François Xavier? Bon bah merci, écoute, ça y est. Ça y est, c'est fait. Ah ouais, du coup, le portail est là-bas. Si je ne m'abuse. C'est cool, merci Lazare. Je vais pouvoir réparer enfin mes élytras. Ah, Potal qui passe la nuit, merci. Hop, et voilà. Nickel. Bon, sinon, cet après-midi, les gars, n'oubliez pas, je fais un stream guitare. En espérant que tout se passe bien, parce que le setup, il est assez chaud à mettre en place. Il faut que je sorte le son de la guitare sur le son de la carte mère. Mon micro sur la carte son. Bah c'est une galère. J'espère que ça ira bien. Mais je lance le stream vers 14h. Et de toute façon, si ça se passe pas bien, je repasse sur du Minecraft ou du Rocket League. Mais je pense que vu que je suis parti sur une bonne dynamique Minecraft, je resterai là-dessus. Mais merci Lazare en tout cas. C'est cool. Je vais aller directement... Je sais pas s'il y a une enclume dans l'end. J'ai un petit doute. Le doute m'habite. Voilà. En compensation, j'ai rebouché tes trous. Donc, y a bien un bug sur l'annonce des pseudos. Rocket League. Un plaisir, désolé que ce soit si complexe pour les chiens. Mais y a pas de soucis, t'inquiète. Y a une enclume dans l'end. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. N'hésitez pas à faire planning. Point d'exclamation, planning. Je sais pas si ça marche vraiment, mais... Je suis pas sûr d'avoir fait le planning en vrai. Donc ce soit le bon planning. Mais ouais, je stream demain matin... Ah, et puis jeudi et vendredi matin, c'est du Far Cry 3. On va se faire plaisir. On va vraiment se faire plaisir. Bon, j'espère qu'il n'y a plus le piglin là. J'aime pas le bruit que je viens d'entendre. Planning. Ouais, non, ça fonctionne pas. J'étais sûr, je voulais le faire, mais je l'ai pas fait. Hop.
C'est parti. De toute façon, je crois qu'il y a une enclume en plus dans le hub du golem. Non mais c'est pas grave. Je vous le dis, cet après-midi, on fait de la guitare. Normalement, pendant 3 bonnes heures. Par contre, c'est sur Rocksmith et je galère un petit peu à maîtriser... Waouh, j'ai flippé à maîtriser le jeu. Donc là, Raphaël, Black or Wild, ouais, il faudrait mettre Lazare du coup. Non, pas d'enclume ici, c'est pas grave. Donc t'es à l'opposé de moi, effectivement. Il manque Metaloman ici. Mais j'aime bien le principe d'avoir mis ça. Voilà. Nickel. L'avantage avec ce truc, c'est qu'on va retourner chez nous directement après avoir... directement après être allé dans l'end. Donc ça, c'est cool. Il faudrait finir aussi l'end. Il y a beaucoup de choses à faire, et sachant que j'ai même pas fait mon village... C'est long. C'est long, il y a trop de choses à faire. Donc là, s'il y a une enclume là-bas, on est bien. Pas de bateau. Allez, c'est parti. On va enchanter tout de suite nos élytras. Et puis bah c'est parti pour tout réparer. Avec la belle mélodie des Undermen. Nickel. Ah ouais, il y a des... Okay. Pourquoi je les ai sur moi? Bonne question. Allez, j'ai baissé le son parce que les Undermen... Voilà. Nickel. Ensuite... bah c'est parti, hein. Allez. Et ça, je pourrais les utiliser. Attendez, je me suis planté. Je vais mettre les Itra. J'ai mis l'appel, c'est pas grave. Si, c'est grave parce qu'elle n'a pas Mending, l'appel. C'est ça que je vais mettre. Voilà. Et puis c'est toujours un bonheur, on va récupérer énormément de perles. Évidemment, c'est une blague, hein. On s'en tape des perles. J'ai déjà 2 doubles coffres remplis de perles chez moi. Je les ai quand même gardés, on sait jamais. En fait, je pense que ça aurait été plus vite d'aller chercher des nouvelles paires d'élytras dans l'end. non, les élytras, ça vient ici. Et du coup, on va réparer la hache, tant qu'on est là. Et puis un ou deux petits coups pour la pelle. Ne pas prendre l'Under Coffre. L'Under Chest. Ne pas enlever d'ici. Évidemment. Salut Skies! Ça va bien et toi? C'est quoi les coordonnées du spawn nether? Je les ai pas en tête. En toute logique, ce serait 0-0. Ah bah non, ça peut pas être ça. Bah désolé Tetralog, je n'ai pas la réponse pour toi. Bon allez. Voilà. Tout est bon. Aqua Affinity. Ok. Parfait. Allez, on se casse. Tout est réparé. Ça va, mais cool, cool, cool. Comme tu vois là, on est en vacances, on profite, on va stream toute la semaine. Tous les matins, tous les après-midi. Un maximum. Sauf vendredi, pas vendredi après-midi. On va passer un petit après-midi avec mon fils. Pas abusé. Voilà. Je referai peut-être ce chemin pour pas qu'il soit en cobble. Il était bien, il était pratique, mais... Ici, c'est quoi déjà ce truc? Le beacon, il sert à quoi? À rien. Allez, c'est parti! T'as vu, ouais, mais c'est cool. Nickel! Allez, je vais vous remettre le son, j'avais enlevé pour les Enderman. Allez, on est de retour chez nous, on a nos Elytras, je vais enlever toutes les Enderperles.
J'ai dû passer 2-3 nuits dans le Nether et dans l'Aisne, donc j'ai fait gaffe à bien dormir. La nuit va tomber dans pas très longtemps. Un maximum de plaisir. J'aimerais bien avoir un truc avec mon stream deck pour avoir une voix genre fête foraine. Je suis nul en imitation. Là, je peux faire un maximum de plaisir. Wouh. Voilà. C'est drôle, non? Dites-moi que c'est drôle, s'il vous plaît. Voilà, j'ai commencé à ranger la piste. Ah, j'ai beaucoup de charbon, en fait. Et puis, il n'y a plus rien de rangé là. J'ai encore rangé n'importe comment dans les coffres. Ah, du cuir. Non, le cuir, j'ai pas non plus. Si ? J'ai pas de coffre pour le cuir. Ok. Il faut que je finisse ma salle des coffres également. Ça, on va les ranger. J'ai gardé Zelitra, comme ça m'évitera de tomber. Je vais ranger ça. Et puis, j'ai plus besoin de mes bottes en or. Je vais me faire un coffre pour les équipements en or. À l'entrée. Ah, et puis, je vais ranger ça. Ouais, j'en ai plus besoin. J'ai assez. Allez, c'est parti. Appelez le manager. Non, mais en vrai, ce serait rigolo d'avoir cette voix. Bon. Allez, c'est enfin le moment où on va commencer à travailler. Ah, par contre, non, puisque j'ai plus à manger. J'ai juste cherché à manger. On va éviter de mourir de faim, ce serait bien. Tous les dons à partir, financer mon nouveau PC. Ouais, j'ai mon nouveau PC qui devrait pas tarder à arriver. À manger, c'est ici. Manger. Le manger. J'ai plus rien. 33, je sais bien. On fera de la reproduction de moutons, de vaches et de cochons plus tard. Et l'objectif, finir le moulin là dans les 25 minutes qui restent. Donc je dois avoir gardé tous mes blocs. Voilà, bon évidemment, j'ai pas dormi. En fait, il faut que je comprenne pourquoi j'ai ça là. Pourquoi j'ai... Faudrait que je fasse un truc, que je mette du bois derrière. Bon, on verra plus tard, dans tous les cas. Dark Oak, Spruce, j'ai pas le bois qu'il me faut sur moi. Voilà. Dark Oak, j'ai pas besoin de ça. Dark Oak, j'ai peut-être pas besoin d'en prendre autant. On va aller dormir. Voilà. Vous serez pas étonné de voir pourquoi mes élytras se pètent aussi vite, je les utilise trop. Voilà. Allez, on rush. On rush le build. Il faudra que je fasse le chemin aussi ici. Et après, en vrai, ce sera cool. Je finis la colline, je mets du blé tout autour, partout. Et ce sera vraiment top. Je regarde qu'il n'y ait pas de creeper ou quoi qui est spawn en attendant. On est bon. J'aime bien le coin que j'ai trouvé quand même ici. Du coup, dans le doute, je vais pas mettre ça. Ah, tant pis. Je vais mettre ça. Et je pense que c'est ça le problème, je mets trop de... Trop de stone brick. Même si c'est la matière que je veux mettre ici, ça c'est sûr. Voilà. Et il faudrait que je les dégage. Il faudrait que je trouve un moyen, que je fasse un tour en bois. Unbreaking 3 dessus. Je dois avoir... Mais j'ai déjà mis mending, donc il me faut une nouvelle paire d'élytra du coup. Pour le faire. Je vais récupérer ça. Bon après, si t'en as donné, mon petit tétra... je les prends. Ça, c'est pas beau, je le sais. Donc ici, on est bien. Ça là.
C'est fait avec quel bois? Donc je le fais comme ça pour être sûr de pas me planter, mais... Ah, c'est du spruce, ouais, c'est vrai. On va monter tranquillement comme ça. Ça, ça dégage. Tu peux mettre les deux sur une saïtra. Ah ouais, pourquoi dans ma mémoire... Pourquoi dans ma tête, il fallait que... On peut pas mettre deux enchantements. Enchanter deux fois un objet, pourquoi? Il fallait les fusionner. Avec quel livre? T'en as. Va te faire foutre. Non, je crois que j'ai en plus. Je vais voir. Même si c'est pas un cassable 3, ça va. Mais débrouille-toi pour la route. Non, je vais avoir des trucs. Respiration, fortune, mending. Oh, si j'avais eu du mending ici. Efficacité 2. Toucher de soi. Smite. Efficacité 1. Power 2. Non, j'ai pas du tout. Respiration 3. Je regarde quand même ici. Non, mais c'est pas grave. Maintenant qu'ils ont mending, ça me suffit. Et puis, je me débrouillerai. Si Raphaël a pas vidé entièrement l'end, j'irai me retrouver. Merde. Non, c'est bon. J'irai me retrouver des Elytras tout seul, tranquille. Mais ouais, je pense que ce soir, je me démerde pour remettre la Dinmap. J'ai plus envie de jouer sans Dinmap. Ça va pas du tout. Et au milieu, ici, on va mettre Blaireau des Alpes. Putain, on voit les boomers. Hein. Toi, tu sors l'expression Blaireau des Alpes. Et moi, j'ai fait un. Genre, c'était drôle. J'ai manqué de bois. Il faut que je... Merde, c'est pas ça. Il faut que je monte de beaucoup. J'aurais peut-être pas assez de bois ni de stone brick. Et en plus, si je fais de la merde, ça va pas m'aider. On verra bien. J'ai regardé sur le screen que j'ai, combien j'avais fait, pour que ce soit bien. Donc j'ai fait 4, là on est d'accord. 1, 2, 3, 4. Voilà, il faut que ça aille là. J'ai plus de sunbrick. Fait chier. On va terminer là-dessus. Ah merde, je l'ai corsé. Donc là, le bois, en tout cas, c'est bon. Je vais sortir les échafaudages. Hein. Voilà. Ceux-là, ils servent plus à rien, ils vont pas assez haut. Salut, moi! Comment ça va? Toujours là, moi. C'est toujours là. Spruce, on est bon. 5 stone bricks, c'est pas assez. Voilà. Donc je vais aller chercher ça et puis on verra bien ce que ça dit. Je pense que j'en ai assez, ici. Pas du tout. Voilà, Stone Cutter qui est là-bas. Je ne sais pas pourquoi il est aussi loin. Voilà. Et après, j'essaierai de dégueulasser un petit peu le moulin en mettant des blocs différents. Là, pour l'instant, je fais un truc propre. Ouais, ça, je vais le laisser despawn. Rien à foutre. Toujours fidèle, mais ouais, je vois ça. Le lézard rouge, level 85, top 1. Toujours le même savoir qu'il y a. Ouais. Donc, je vais te montrer, j'ai fini ma maison. Bon, j'ai désinstallé Optifine, ça m'a cassé les couilles, ça a encore bugué. Donc, je pourrais pas zoomer, mais j'ai fini ma maison là-bas. Encore des trucs à faire niveau déco. Mais je trouve que la maison en plein milieu, c'est cool. J'essaierai d'en refaire une petite ou des trucs un petit peu plus loin, quelques-unes. Expansion par la mer, j'aime bien l'idée. Ou alors je fais vraiment des pontons et des maisons, des petites cases sur l'eau. Le moulin est sombre, j'aime beaucoup, ça contraste bien avec tout le bois de la jungle que j'ai utilisé jusqu'à présent dans la ville. 32, c'est bien. Allez, on monte ici.
Elle est jolie. Eh ben, merci. J'ai quand même bien galéré à la faire. Je suis pas un grand builder, alors forcément... Quand tu veux faire une maison propre qui ait l'air finie, naturelle, entre guillemets, c'est chaud. Donc ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais refait un étage. Aïe. Donc j'ai pas rebouché ici tout de suite pour pouvoir remonter. Et j'avais mis entre deux des planches. Donc, je vais pas mettre là tout de suite. C'est là que j'ai mon échafaudage. Ouais, c'est ça que j'avais fait. Et enfin, là-dessus, on repart sur des stairs. Je pensais pas que le bois orange et le bois de la jungle pouvaient faire un joli truc. Ouais, bah tu vois... En fait, j'utilise le bois de la jungle parce que ma jungle, elle est là-bas. On la voit pas, j'ai pas beaucoup de distance de rendu. Mais ouais, moi, je trouve que c'est bien, ça rend bien. Et l'acacia, moi non plus, je pensais pas au final. J'ai voulu essayer. Juste pour faire le toit, et je suis pas mécontent, parce que je pense que je l'ai utilisé nulle part ailleurs. Tu vois, c'est que du bois clair. Et avec... Enfin, sans shaders, c'est pas terrible. Est-ce que j'ai un texture pack ? Pas du tout. Merde. Tu viens de m'apprendre un truc. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Mais ouais, c'est du hasard. Je me suis pas posé plus de questions que ça, je l'ai fait, et puis au final, ça rendait bien. Je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de faire que de la merde. Pardon. Allez, ça dégage. En fait, ça peut passer, mais j'ai vraiment envie de refaire le même, hein, comme je vous ai dit, et j'avais pas fait ça. Je sais plus ce qu'il y avait derrière, mais en fait, c'est ici. Ça commence pile ici. Ah, j'aurais peut-être dû l'enlever avant, quand même. Parce que là, après, je vais galérer. Voilà, tant pis, ça tombe, j'irai le récupérer après. Là, ça, c'est bien. Je vais mettre de la stone brick, et puis je dégagerai après. On peaufinera. Voilà, ça avance bien, je vous ai dit, hein, 25 minutes. Ah, il me reste 15 minutes pour finir. On va le mettre devant. Ah, j'ai mis une stone brick. Je me suis planté. Voilà, je vais pas pouvoir remonter. Je voulais ça. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Non, c'est bon, je peux faire des stairs en plus. Comme ça. 29. On va en refaire quelques-unes. Voilà. Nickel. Ça fait un peu comme les tuiles. Ouais, exactement. Salut Cosmovoli, comment tu vas ? Comment ça va, Cosmo ? On est en train de faire un moulin tout bête. Là, actuellement. On s'entraîne à faire des trucs pas trop moches. Je vais assez haut. Yes. Nickel. Allez, c'est reparti. Il va faire nuit, j'ai pas dormi depuis longtemps. Je vais faire gaffe. Voilà. Non, c'est pas ça. Puis j'irai chercher après. Ça va bien, ça va bien. Oh, on profite des vacances. Et salut Azertix, le grand retour. Il l'avait dit, il le fait. Du coup... il faudrait que j'avance. Je suis pas sûr de laisser la stone brick, je vous ai dit. Bah non, bah du coup, ça prouve immédiatement que c'est pas bon. Parce que ça va être visible et que c'est moche. Dark Oak. Ouais, ok. C'est bien ça, hein. Je sais pas de la merde. C'est le bon bois. Là, c'est bon. Là, c'est bon.
Et donc... Je suis nul. On va faire comme ça. Et on va virer ça, on va mettre Dark Oak aussi. Voilà. Comme ça, ça fait plus de bois. Au fait, hier sur Pokémon Go, j'ai fini tout le premier Pokédex. Kanto, genre, j'ai tous les Pokémon de la première génération, je suis trop content. Mais cool, GG, c'est super bien. Surtout qu'il y a des régionaux, donc je juge pas. Bah, il y a intérêt. Je juge pas, je suis déjà content de ma petite maison là-bas. Donc j'ai pas Optifine, hein, désolé, c'est pas très beau. Ça faisait planter le live au début. Mais il y a ma petite maison là-bas, j'en suis content. Je l'ai faite hier. Non mais... Pardon. En vrai, je suis pas un builder fou, je suis pas... Faut pas oublier que j'ai commencé Minecraft il y a un an et demi. Et que je suis pas assidu, je joue pas tous les jours non plus. Ouais, je me justifie, ouais. On va mettre ça ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici. On va revirer ça et ça. J'étais sûr que ça allait pas aller. Je suis obligé de mettre ça, sinon on voit la différence avec le bois. On va mettre ça ici. Là, ça, c'est bon. Là, ici, on sait très bien qu'on va mettre du Dark Oak aussi. Et toi, tu viens là. Non, c'est tranquille, on va pouvoir faire un truc bien. Enfin, c'est un moulin tout à fait classique. Je vais pas m'amuser à faire des trucs de fou maintenant. Voilà. Voilà. Aïe. Merde. Bon, j'ai passé la nuit, c'est chiant. Tant pis, c'est pas grave. J'ai un lit en bas de ma salle des coffres. Nickel. J'ai du temps libre avant de reprendre le taf, donc je passe. Bah, c'est cool, ça fait plaisir, merci. Je les ai... t'as tous les régionaux, d'accord, ok. Lucille, kangourou. Ok, nickel. Bah, bravo. Fort jolie la petite maison. Merci. Je vais faire gaffe parce qu'il y en a qui ont pété mes... des maisons à moi. Ah, ok. Génial. Bah, écoutez, la gunpowder... Gratuite, j'ai rien demandé. Le village en lui-même est moche. Mais voilà. Petite maison. Petite fierté, c'est le portail du Nether quand même. T'as déjà 100 fois mon level en build. N'importe quoi. Petite fierté, c'est le portail du Nether. Fait avec le lézard rouge là qu'il y a. Bon bah je reboucherai ça plus tard. Je fais mon moulin, tant pis. Ça a refait ma journée d'hier en plus de ton live. Non mais c'est cool, bravo. Ok. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Parce que ici, il y a un trou. Non, c'est bon, c'est pareil partout. On est obligé de faire ça pour combler derrière, pour cacher. C'est à l'intérieur où je vais m'amuser à faire en sorte que ce soit propre. Ok, les quatre coins sont faits. On sait que c'est bon. Là-bas. En le mettant, je savais que j'oubliais que c'était pas ça, que c'était ça. Ouais, c'est bon. Je me suis dit que je l'avais mis de travers, mais non, c'est bon. Bon, tant pis pour les stairs. Stylé le portail. Ouais, je suis assez content. En fait, j'avais une idée de base et le lézard rouge là qui doit être là ou qui est au taf est venu. On l'a fait à deux et je suis très content de ça. Alors là, maintenant, bah, on va continuer à monter. On va continuer à monter. On va faire un toit à partir de là. Comme ça. Pas comme ça. C'est pas ça que je voulais. Je voulais des escaliers. Voilà, comme ça. On va pas le faire trop haut non plus, mais... Bon, ici, je suis quand même obligé de faire ça. On va mettre du bois partout. Ce sera bien.
Ouais. Les toits aussi, c'est ma hantise. Comment terminer un toit? Parce que limite, j'ai pas envie de le faire forcément pointu. Je trouve que ça sert à rien. Genre des simples dalles. Enfin, comme ça, limite. Pour un moulin, je trouve que ça va. J'ai pas de torche. Je vais aller rechercher des torches. Ouais, on va prendre... Non. J'en ai plein dans le nether. Mais on va éviter de faire tous les allers-retours à chaque fois. Sur, j'ai du charbon ici. On va l'utiliser. Maintenant, il me faut des bâtons. Voilà. Nickel. On en a jamais assez. Ni jamais trop. Dans l'angle, mets des dalles, puis monte. Un avec des dalles. Dans l'angle, mets des dalles, puis monte un avec des dalles. Ouais, je vois plus ou moins ce que tu veux dire. Bah, pour l'instant, je vais faire les pales. Parce que je considère que ça va. Et je ferai en fonction de la hauteur de ça. Un bloc de bois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Aïe. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai des corrections à faire ici. Et là. À l'intérieur, ça va pas être terrible, hein, je pense. Et ici, je vais en avoir beaucoup de corrections. Ok. Voilà. Et puis là, je ferai l'intérieur plus tard. Parce que je pense que ça va faire des trous gris, marron. Et que ça va pas être uniforme. On pourra les voir après de toute façon, avant de commencer les pales du moulin. Je sais pas si ça s'appelle des pales. Exactement. Mais moi, je sais pas si j'ai compris. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Une sorte de dégradé. Avec des dalles et tout ça. Non, mais je vois très bien. Normalement, ça, c'est bon. Alors, est-ce que c'est moche à l'intérieur? Non! Merde, pourquoi j'ai fait ça? Putain, j'ai eu peur pour mon moulin. J'ai eu peur pour le moulin. Je vais mettre une torche à l'intérieur. On va mettre partout. Ah, et puis là, voilà. Alors, à l'intérieur... Ah, en fait, ça va. Je ferai des poutres. Je mettrai des sortes de poutres, ce sera bien. Ok. Ok, en fait, il est déjà 11h25, donc je pense que je vais devoir arrêter là. Je reprends un stream à 14h, mais cette fois-ci, on fera de la guitare. Ouais, il faut que j'aille récupérer bébé. Je ferai un stream guitare cet après-midi, si ça se passe bien, parce qu'on sait jamais avec Rocksmith, si mes réglages sont bons, tout ça, si le son sera bon. Mais si ça va pas, je repasse sur du Minecraft. Voilà. Est-ce que ça va falloir apprendre à tuer les creepers proprement par contre? Non, mais là, j'ai paniqué. Là, j'ai paniqué. Mais sinon ça va. Ouais, enfin, je pense ne pas être nul à ce point-là. À 14h, tu seras pas là. Bon, bah, c'est pas grave. Il y aura le replay dans tous les cas. Hop, je suis en train de préparer un truc. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas, à 14h, 17h, on fait de la guitare à fond. On va faire du gros rock, punk, du gros métal. Ça va être cool. Ça fait longtemps que je voulais en streamer, et puis on va se lancer. À 14h. Bah, avec grand plaisir, à 14h. Merci à tous. Merci beaucoup, et bon appétit. Allez, à tout à l'heure.